J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je trouve pour une vidéo où je viens faire le Christmas tag en plus de ma playlist de Noël. Là, aujourd'hui est un grand jour parce que dans exactement 2 jours, c'est Noël. Et oui! Donc voilà, c'est tout fou dans ma tête, ouais. J'ai décidé en fait, parce que je vous ai fait le I Love Fall tag et le Winterlicious tag, j'ai décidé de terminer ma lignée de tags de l'hiver, automne, tout ça, en vous faisant le Christmas tag qui a été créé en fait par Chic For Less, que j'adore, et par Emma04, blablabla, plein de chiffres après que j'adore aussi. Et du coup, j'ai mixé les deux tags. Et je vous fais également ma playlist de Noël, parce qu'on m'a énormément demandé les chansons que j'écoutais pour Noël. Et vu que j'en ai plein sur mon iPod, je vais vous les montrer. Alors, je vais vous les faire écouter plutôt. Question numéro 1, as-tu déjà eu un Noël blanc? Donc un Noël blanc, ça veut dire un Noël avec de la neige. Oui, je crois que ça a été qu'une année en France, à Lyon, qui a eu de la neige, vraiment. C'était il y a 2 ans, et peut-être il y a 1 an aussi on avait, je sais plus. Mais en tout cas, il y a 2 ans, il y avait énormément de neige, il devait y avoir 20-30 cm, c'était la folie. Où passes-tu habituellement Noël? Moi, je l'ai déjà dit, je fais Noël le 24 au soir chez mes grands-parents maternels, le 25 au midi chez mes grands-parents paternels et le 25 au soir chez ma belle-mère. Ensuite, quel est ton film préféré des fêtes? Donc moi j'adore, je vous l'avais dit aussi dans le Winterlicious tag, j'adore Les Bronzés font du ski, j'adore Le Père Noël est une ordure et j'ai regardé ce matin Maman j'ai raté l'avion, il est trop bien. S'il y a un film de notre défaite à regarder, c'est celui-là. 4. Ton sapin de Noël est-il un vrai ou un faux? Mon sapin c'est un vrai et j'ai jamais eu de faux sapin. Les vrais sapins ça sent tellement bon que voilà, je pourrais pas en avoir un faux. Sois honnête, préfères-tu donner ou recevoir des cadeaux? Évidemment. Je vais être honnête, je préfère en recevoir. Rares vont être les personnes qui vont répondre je préfère en donner, je pense. Je suis un peu égoïste, donc voilà, je préfère en recevoir. J'aime aussi beaucoup en donner, mais voilà, recevoir des cadeaux, c'est quand même la meilleure chose au monde. Question suivante, montre-nous ton habit kéten de Noël. Donc j'ai pris le tag en québécois, donc forcément il y a des mots qu'on comprend pas trop. Mais ça veut dire montre-nous ton habit cucu de Noël en gros. Moi c'est mon pyjama de Noël que j'ai acheté chez Etam. Donc le bas il est comme ça. Et le haut, il est trop mignon. C'est celui que je porte en hiver pendant la période de Noël. Il y a un petit nounours avec des lunettes. Et des strass sur les pieds. À quel endroit rêverais-tu de passer Noël? Noël en lui-même, je veux toujours le fêter. Enfin, je voudrais toujours le fêter avec ma famille. Du coup, j'ai pas envie de partir à... je sais pas où pour fêter Noël sans ma famille. Les vacances de Noël avant et après Noël, j'aimerais bien aller au Canada, là où il y a beaucoup de neige, à New York ou dans un pays très froid. Je fais partie des gens qui aiment bien partir au soleil, là où il fait hyper chaud pendant les vacances de Noël. Pour moi, chaque saison a ses vacances particulières. En été, je pourrais pas concevoir d'aller en Bretagne et en hiver, je pourrais pas concevoir d'aller à Bali, quoi. J'ai envie d'aller là où il y a fait... J'ai envie d'aller là où il fait froid, là où il y a de la neige, et donc ouais, Canada, je pense. As-tu un calendrier de l'Avent? Évidemment, j'ai 15 ans, mais j'ai quand même un calendrier de l'Avent et j'en aurai un toute ma vie. Donc moi j'ai le calendrier Kinder qui est comme ça. C'est une belle arnaque parce que au dos ils vous disent vous allez avoir plein de trop bons chocolats. Et en fait quand tu ouvres les cases, il n'y a que des œufs en fait. Donc il doit y avoir une barre de chocolat dans tout le calendrier dans les 24 jours. Donc avec mon frère, on est un peu dégoûté, n'est-ce pas Tom? Ouais. Il est d'accord. Donc voilà, mais il est quand même trop beau, il y a plein de petits bonhommes et tout. Quelle est ta couleur préférée de Noël? Moi c'est le rouge, d'ailleurs j'ai un rouge à lèvres rouge. Je ne vais pas du tout porter une robe rouge ou quoi, mais le rouge sur les lèvres et le doré sur les yeux, le vert sur le sapin, c'est trop beau. Tu pouvais acheter un cadeau de Noël à n'importe qui, qu'est-ce que ce serait? Alors, bah moi je vais tricher un peu. Genre tout mon entourage, tous mes amis et tout, ils ont le nécessaire pour vivre et ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Tous les SDF, les sans-abri de France, je les prendrai et je leur donnerai, je trouve pas, un appartement et un travail. Et dans l'appartement, il y aurait un petit sac avec des papillotes. Est-ce que tu ouvres tes cadeaux la veille de Noël ou le matin même? Moi, j'ai toujours ouvert mes cadeaux chez mes grands-parents le 24 au soir et le 25 au midi. J'ai jamais ouvert les cadeaux le matin.
je sais pas, c'est pas du tout une tradition dans ma famille. Dans les films, le 25 au matin, ils se mettent en haut de l'escalier, ils regardent le sapin, ils veulent ouvrir leurs cadeaux. Voilà. Est-ce que tu as déjà construit une maison de pain d'épices? Oui, avec ma mère, quand on était petit, tous les Noëls, jusqu'à mes 8 ans, je crois, on faisait des maisons en pain d'épices. C'était trop trop beau, c'était trop trop bon. Enfin, on n'en mangeait pas, en fait, je crois, mais on les mettait en décoration et tout. On a vite arrêté, en fait. Enfin, je sais pas pourquoi on a arrêté. Quelle est ton odeur de Noël préférée? Donc moi, c'est les odeurs de sapin. J'aime trop trop ça. Voilà, et j'aime aussi beaucoup l'odeur de la neige, mais c'est pas trop une odeur précise. Mais oh, il est chiant, lui! Question suivante. Ton plat ou ton dessert préféré de Noël? Le foie gras. Ou le crabe avec de la mayonnaise. Les papillotes réveillon bleus. Les Malakoff chocolat au lait, c'est les meilleurs. Maintenant, on passe à ma playlist de Noël. Donc voilà, là, c'est les chansons à vous mettre dans les oreilles à fond les bananes pendant les deux jours qui vont suivre. Mistletoe de Justin Bieber. Ensuite, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, évidemment. Ensuite, Let It Snow de Dean Martin, c'est la meilleure. Shake Up Christmas de Train, c'est aussi une trop trop bonne chanson pour Noël. Oh mon dieu! Jingle Bell Rock de Ellie et AG, parce que la version originale est un peu... C'est Last Christmas, la version de Madeline Bailey, elle est genre trop 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 bien. Donc je vous mets évidemment le nom des chansons en barre d'infos, je vous mets des questions en barre d'infos. Si vous faites le tag très très vite avant Noël, mettez-le en commentaire vidéo, je me ferai plaisir d'aller le voir. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour suivre toutes les vidéos, likez cette vidéo, suivez-moi sur Twitter, Facebook. Je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Pensez à moi quand vous ouvrirez vos cadeaux au pied du sapin. Faites une bise au Père Noël.